Tais-toi et bois. Attends, j'ai un bonbon, ça va faire bref. Un effet bizarre. Oh, je me suis mis dans la bouche. Putain, la polyaka, c'est vraiment une grande brûlée, bordel de merde. T'avais pas pris les restos? Mais parce que c'est Manval qui l'a emmené, celle-là, hier. Oh, Manval, putain, non. Non, mais. Non, mais une, j'aurais en pris une, mais non. J'ai les liberté. Oh, tu le sens passer, hein. Mais allez vous faire enculer, à la limite. D'accord. Ah d'accord, je suis d'accord. Ce qui est beau, c'est qu'après celle-là, il en reste encore une entière. Mec, tu viens de péter le verre. Merde. Une dispute conjugale, bonsoir. J'en ai marre de toi. Oh, maintenant je vais en croire, c'est sur place. Oh, même pas, je te couche, je t'éclate la gueule, d'accord? Ah, t'as pas, je serai pas la maligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 18 plus 2 égale 20, 19 plus 1 égale 20, 17 plus 3 égale 20, 15 plus 5 égale 20, 14 plus 6 égale 20, 10 plus 10 égale 20, 5 plus 15 égale 20. Bravo. C'est bien, tu peux être censé, mais de nouveau, je suis pas. Chanson. Mais non, c'est coupé, arrête. Putain, mais il est con. Ouais, ouais, c'est bon. C'est bon. C'est mal, c'est ça. C'est mal, c'est ça. Allez, Pierre Romain. Merci. Il fait une gorgée pour que t'es bon anniversaire. Oh, mon putain. Oh, là. Bon anniversaire, Romain. Vas-y, moi aussi. Parlez fort, les gens. Bon anniversaire Romain, je t'aime. C'est la mienne. Bon anniversaire Romain. Merde, excuse-moi. Si tu dis enculé de BVTT, je t'encule. Anniversaire. Je te dis pour ton anniversaire, toi, écoute ce que je vais dire. BNX enculé. Oh, il l'a dit. Il l'a dit. Non, t'as bu. Eh hey, oh, rajoute snowboard aussi. Oh oui, oh, oui. Oh. Ça te rappelle rien? Il te rappelle rien, champagne. Un camion. Jour de l'an? Non, autre chose. Ah d'accord. Joyeux anniversaire. Il rappelle quoi? Il rappelle quoi? Prince. Trop pire. Oh, il a pas dit. Il a dit Prince. Je t'ai baisé, je t'ai baisé. Deux. Désolé, t'as dit. Mais tu niques une dent. Ah, t'as un peu de pédé, là. Oh putain, la putain. Avec ça, faut qu'on essaye le. L'arnie, faut qu'on essaye là. Oh, il est mal au cou. 1, 2, 3. La limite, tu vas reculer, petit con, t'as cru quoi? T'as cru que tu fais comme ça là? Au tard! Faut qu'il met où? Alors, on va faire une mission secrète. Une mission secrète sur Romain Chabal. Regardez, Romain Chabal. Romain... Mission secrète. Romain Chabal est mort, on va le filmer. Attention, on le relève doucement. Il est lourd, il fait 212 kilos. C'est un 78, petit enculé. Et oui, spécimen en voie de disparition, c'est la scientifique qui vient nous dire, alors nous allons interviewer la scientifique. Oui, alors voilà, c'est très particulière quand même, hein, nous pouvons remarquer. Attendez, on vous entend pas parce qu'il n'y a pas de micro, donc tu vous tends le micro. Tendez-moi le. Ah, nous allons continuer l'interview de la scientifique. Alors, scientifique. Donc, voilà, donc on voit une espèce en voie de disparition. D'ailleurs, c'est un spécimen quand même assez rare. Voilà, vu sa taille.
travail et son taux d'alcoolémie actuel pour ses 20 ans, c'est encore exceptionnel qu'il arrive à tenir debout. Nous pouvons l'interviewer. Nous pouvons l'interviewer. On va essayer s'il arrive encore à parler aujourd'hui. Voilà. Donc attention, les téléspectateurs, nous allons essayer de l'interviewer. Bonjour monsieur, comment t'appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Romain. Romain, alors Romain, R-O-M-A-I-N. C'est ça. Oh. Alors que... Combien de temps l'ordre de son prénom? Que voulez-vous nous dire? Oui, mais scientifique. Nous observons que le spécifique que comptait pouvez-vous réagir à cette information? Non mais alors en fait c'est des relents de son ancienne vie. Donc il a des flashbacks par rapport à sa jeunesse. Mais vous voulez dire qu'il range, on peut l'appeler vieux maintenant ou pas? Je pense qu'on peut l'appeler vieux, bon voilà, il a passé... Le vieux. Est-ce que vous pouvez nous dire d'autres, madame la scientifique? Eh ben qu'à 20 ans, il sait toujours pas faire à manger. Ouais. Que pouvez-vous nous dire, monsieur Tony? Tony, nous interviewons Tony, les spécimens bourrés. Alors que pouvez-vous nous dire, monsieur Tony? Fuck. Que veut dire ce langage? Je ne connais pas. C'est un langage qu'il a bien inventé. Un langage des bourrés. Quoi? Des deux. Un langage des bourrés? Oui, fuck, on connaît pas, nous, les Français. Ah d'accord. Ça veut dire quoi, fuck? Ah d'accord. Ça veut dire quoi, fuck? Ah d'accord. Nous observons que le bourré invente des mots, il ne sait pas ce que ça veut dire. Sodomie. 10 plus 10, c'est 21, hein, parce qu'elle a oublié la retenue. Nous pouvons observer que comment Tony n'a pas eu son brevet. Oh, le bisou. Oh. Madame la scientifique, voulez-vous nous en faire encore un? Non. Alors, nous n'avons plus personne à interviewer, nous allons interviewer une bouteille de champagne. Bonjour, bouteille de champagne. Alors, comment trouvez-vous cette soirée? Oh oui, je trouve que cette soirée est magnifique. Nous avons fait péter, vous avez fait péter mon bouchon. Et j'ai perdu ma tête, je viens de perdre ma tête, elle est dans un arbre. Je ne vois plus rien en ce moment. Alors, oui, et que trouvez-vous, comment trouvez-vous, Attends, je suis en train d'interviewer une bouteille de champagne! Alors, comment trouvez-vous Romain Chabal? Oh, Romain Chabal, c'est un très jeune homme. Comment trouvez-vous cette soirée, madame la bouteille? Oh, je trouve que c'est une très belle soirée parce que tout le monde m'a fait des French kiss parce que tout le monde m'a bu. Ils ont tous avalé mon sperme. Et puis voilà. Je vous laisse. J'ai interviewé une bouteille de champagne. Bonjour. Vous allez nous expliquer pourquoi vous avez un bouchon dans la bouche? Parce que j'ai trouvé par terre. comme un fou. Glou. Tu enlèves ton temps. Montre-moi le montre avec ses trompes dedans. Bonjour, bonjour. C'est pas parlé. Ah, nous allons interviewer une fille Bordeaux. Voilà, donc en fait, à la base, je n'étais pas rousse. Et c'était un choix personnel. Parce que voilà, à la base, j'étais crâne. Et j'ai décidé de mettre la couleur qui allait avec. Ah ouais. Et blonde, ça allait... Ah, d'accord.
Ne nous amusons pas mal, nous allons à la recherche de Louis Queen. Alors nous observons que Lorraine est une pète. Ah, parce qu'elle m'a pas lâché sa tente. Le P, ça sort d'un as. Donc ça fait pète as. Pétasse. Donc nous en avons un or. Nous attendons une stache mou. Oh ouais mec. La stache mou c'est la vie. Oh my god, tu peux pas y aller. Je peux toucher ta stache mou. Ah ouais. Ah c'est trop fort. Ah, un dance. Nous allons interviewer le résident de la TOF. Alors, monsieur Romain Chabal, comment pensez-vous de cette TOF? Que pensez-vous de cette TOF? Yo, bah écoute, franchement, là, il est minuit 36. Et franchement, bah, j'ai l'impression que ça passe plutôt bien, tout le monde s'éclate. Les petits font un peu de bruit, mais tout le monde s'éclate et tout, donc ça a l'air franchement cool. Tout le monde bouge, tout le monde fume, tout le monde boit, tout le monde danse, donc bah je suis refait. C'est la soirée des Fat Boys Big Booze. Ouais. C'est la soirée des Fat Boys Big Booze plus Mademoiselle Barbara. Mais là c'était Oui. Non mais on s'en fout, elle est dans les plus Mademoiselle Barbara qui n'est pas dans les Fat Boys, donc je pourrais rester dans les Fat Boys. Mais franchement voilà. Oh la nouvelle elle exclue. Mais franchement, j'ai l'impression que tout le monde s'éclate dans la soirée, tu t'éclates ou pas? Mais moi, mes mecs, mais c'est la top de la vie! C'est quoi l'exclu? C'est que Barbara, elle rejoint les Fat Boys! Quel effet ça fait? Je remercie tous les producteurs, les gens qui m'ont accompagné, les gens qui m'ont permis de danser! Voilà, c'est super! Bon choix! Magnifique! Encore! Merci les producteurs, les copains, les maquilleurs! Elle est la nouvelle exclue! Grâce à Fat Boys! Grâce à Top Mag! Grâce à Top Mag, la nouvelle exclue! Ah, c'est fort! Oh, Sylvain, elle est pleine, elle peut pas se ramener! Alors, Simon, 20 ans, c'est la classe!